Les amis, vous. Oui. Vous avez vu? Voilà. Un ours. Il avait pensé à toi. Je vous en supplie, mademoiselle Clayton, demandez-lui son revolver. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh, un bateau! Un bateau! On vient sûrement nous chercher! Oh. Un ours, mais... Le 8e couplet, oui. Il n'en resta que 2. Mais vous ne m'aurez pas à moi, vous entendez? Est-ce que le bateau se rapproche? Ne bougez pas. Ne bougez pas ou je tire. Philippe. Ça ne prend plus. Mais qu'avez-vous? Depuis que nous nous sommes rencontrés sur l'embarcadère, vous avez fait du charme avec moi. Pour mieux m'endormir, hein. Parce que vous pensiez bien que j'étais le plus redoutable. Alors, pourquoi ne pas m'avoir supprimé le premier? Mais, Philippe... C'est fini, je te dis. Un geste et je t'abats. Tu n'auras même pas les honneurs de la cour d'assises. Tu avais trop de sang-froid pour une femme. Malgré tes frayeurs de petite fille auxquelles je me suis laissé prendre parce que... Parce que je t'aimais, là. Pauvre idiot d'amour. A-t-il fallu que j'aie le coup de foudre? J'étais même arrivé à te trouver des yeux francs, candides. Des yeux qui me plaisaient. Pauvre idiot. Philippe, vous ne croyez pas que... Non, ma belle, je ne crois pas. Je sais. Dans d'autres circonstances, je te ferai peut-être des compliments. Le dernier piège avec l'ours, quelle trouvaille! Mais écoute-moi bien. Si dans une heure, aucun bateau n'est venu nous chercher, je te descends. Je n'ai pas envie de savoir à quelle sauce tu avais décidé de me croquer. Au 9e couplet, il s'agit d'un incendie, d'une brûlure. Tu es capable de mettre le feu à la maison dès ma première défaillance. Mais avant, il y a une chose que j'aimerais savoir. Qui était Pierre Dille, dont le disque a parlé avant-hier soir? Puisque ton ami Lavoie n'a sorti que des vérités, tu t'es peut-être amusé à nous larguer avec un crime que tu avais déjà commis dans le temps pour te faire la main. Parle ou je tire, qui était Pierre MacNeil? Un enfant dont j'étais la gouvernante. Mais tu l'as tué? Non, pas moi. Qui alors? Hugues MacNeil, l'oncle du petit. Pourquoi? Une affreuse question d'héritage. Et comment y étais-tu mêlée? J'aimais Hugues. Bravo. Et vous avez croqué le magot dans les bras l'un de l'autre, j'espère. Je me suis sauvée tout de suite après la mort de Pierre. Où est-il mort, ce gosse? Au bord de la mer. Décidément, la mer t'inspire. Vous ne croyez pas sincèrement que j'ai pu commettre tous ces crimes? J'étais le plus acharné à vous défendre. Mais Vargrave est morte, Armstrong est mort, et Blore ne s'est certainement pas suicidé. Il ne reste que vous. Et vous? Je ne suis pas un saint, mais il y a bien une chose dont je suis incapable, c'est tuer des gens pour le plaisir de tuer. Vous avez pourtant 20 indigènes sur la conscience. Ce n'est pas tout à fait exact. Oui, je me suis retrouvé dans le bled, avec 20 indigènes, perdus, sans eau. Il fallait que l'un de nous se dévoue pour aller chercher du secours. J'y suis allé.
Mais par miracle, j'ai réussi. Mais quand les secours sont arrivés, il était trop tard. Pourquoi vous êtes-vous accusé devant tout le monde? Pour voir vos têtes. Vous aviez tous tellement peur de ce que le disque avait raconté. Vous mentez. C'est parce que vous étiez cet anonyme qui nous condamnait à mort. Et il fallait nous duper jusqu'au bout. Mais tuez-moi, qu'est-ce que vous attendez? Que l'on vienne me délivrer de vous. La justice vous supprimera dans les règles. Oh, les mains! Petite pièce. Je l'ai échappé belle. Voyons, vous savez bien que ce n'est pas moi. Ne faites pas l'innocent. Il y a un instant, vous vouliez me tuer comme les autres. Je devais être la 9e victime, la plus crédule. Je m'étais laissée faire la cour comme une fillette. Tout ce que vous m'avez dit sur votre prétendu amour, je le prends à mon compte. Mais moi, c'est vrai, je vous aimais, je l'avoue. J'avais confiance en vous. Jamais je n'avais connu cette émotion, cette douceur qui peut un peu me gagner. Imbécile que j'étais. Vera, pourquoi faut-il toujours que nos aveux se fassent un revolver à la main? Si vous avancez d'un pas, je tire. Vera, n'approchez pas. Puisque nous nous aimons. N'approchez pas. N'approchez pas. Je vous avais dit de ne pas approcher. Ne pas s'approcher, ne pas s'éloigner. Un petit chat se sentant perdu, s'est pendu et là n'en resta plus. Je lui avais dit de ne pas s'éloigner, de ne pas s'éloigner. Pierre, oh Pierre. Allons, Vera. Encore un petit effort et vous ne souffriez plus. Je vais grave. Mais vous êtes morte. Tout le monde est mort. Silence. Silence dans la salle. Non, Vera. Il reste encore vous et moi. Allons-y. Passez la corde à votre cou. La justice se doit de punir tous les coupables. Mais je suis innocente. Innocente. J'avais dit à Pierre de ne pas s'éloigner. Vous radotez, ma chère. Remontez sur le tabouret. Mais pourquoi? Pourquoi? Passez la corde. Pourquoi? Après quelques mois de retraite, condamner des coupables à la peine de mort m'a manqué. Silence! Je fais évacuer la salle. Alors, a germé en moi l'idée du crime. Parfait. Vous pendu, je rejoindrai mon lit et avalerai une dose mortelle de cardenal. 10 morts. Et pas d'assassin. Vous êtes folle. Oui, complètement folle. Mademoiselle, il faut mourir. Pendue. Mais vous serez morte pour rien. Dans l'anonymat, si nous mourons tous, jamais personne ne saura que le juge Vargrave était le cerveau de ce crime parfait. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Arrêtez vos flatteries, Vera. J'ai pensé à tout. Et j'ai sur moi une lettre d'aveu qui finiront par trouver. Maintenant, pendez-vous ou je tire. Pendez-vous! Philippe! Votre blessure. C'est plutôt la vôtre. Avouez que vous auriez bien voulu me tuer. Oh, Philippe! Oh, pardon! Je dois vous faire aussi une sacrée bosse. Je me suis cogné en tombant. Oh, pardon, Philippe! D'un certain côté, je regrette d'avoir tué Vargrave. Comment, mais elle voulait me tuer. Oui, mais comment expliquer tout cela à la police? Ils ne manqueront pas de nous interroger. 8 morts et seulement 2 survivants. Ne vous inquiétez pas, Philippe. Le juge Vargrave assurait ses aveux.
Oh, Vera, s'il vous plaît. Allez me les chercher. Vous serez curieux de savoir comment un mort peut revenir à la vie. On ne sait jamais, ça pourrait nous servir un jour. Chers inspecteurs de police, tout a marché comme je l'avais prévu, puisque vous lisez cette lettre. Le 8 août, tous mes invités arrivaient sur l'île du chat. Je faisais moi-même partie du lot. L'ordre des décès sur l'île avait fait l'objet de toute mon attention grâce à cette comptine enfantine. Voici le plan de mon crime parfait. Anthony Marston et Ethel moururent les premiers. L'un instantanément, l'autre dans son sommeil. Je n'ai eu aucune difficulté à mettre du cyanure dans le verre presque vide de Marston pendant la discussion. C'était un chauffard, coupable d'avoir écrasé deux enfants. L'un de s'étouffa, et il en resta neuf. Quant à Madame Roberts, elle avait largement agi sous l'influence de son mari en laissant mourir leur patronne Madame Brady. Je lui ai préparé un verre avec un narcotique pendant que tout le monde se préoccupait de son malaise. L'un de succomba, et il en resta huit. Le général Mackenzie est allé à la mort sans souffrir. Cet homme avait bel et bien tué l'amant de sa femme par jalousie. Il n'en revint pas et il en resta sept. Selon mon plan, je devais avoir bientôt besoin d'un allié. J'ai choisi le docteur Armstrong pour ce rôle. C'était un individu facile à duper. Il était inconcevable pour lui qu'une femme de mon importance puisse être une meurtrière. J'ai tué Roberts le 9 août. Occupé à fendre du bois pour allumer le feu, il ne m'a pas entendu approcher. L'un de se coupa et il en resta six. Miss Brent, malade, se faisait une piqûre quotidienne de calcium. J'ai remplacé son flacon par de l'acide prussique. Elle avait bien poussé au suicide sa jeune domestique enceinte. Une guêpe piqua et il en resta cinq. C'est à ce moment-là que j'ai proposé à Armstrong de mettre notre plan à exécution. J'ai pris ma pose de femme assassinée. Une fausse blessure sur le front, le rideau rouge, la mise en scène était prête. L'éclairage était très incertain et Armstrong devait être la seule personne à m'examiner de près. Il a joué son rôle en vrai professionnel. On m'a transporté en haut et allongé sur mon lit. Et plus personne ne s'est soucié de moi. Au mépris des lois, et il en resta quatre. Pour ne pas que le docteur craque et avoue la vérité, je lui ai donné rendez-vous à l'étage de la maison cette nuit-là. Je me suis penchée à la fenêtre en lui disant de regarder. Il s'est penché à son tour. Une vigoureuse poussée lui a fait perdre l'équilibre et l'a envoyé faire un plat tout en bas derrière le château. Il aurait dû se souvenir du 7e coupé. L'un de trébucha et il en resta trois. Les trois derniers chats pensaient être sauvés, mais à mon coup de sifflet, Blore, croyant à l'arrivée du bateau, est arrivé seul à l'arrière du château. Je n'avais plus qu'à lâcher la lourde tête d'ours. Et hop, exit Blore. Un ours gros comme ça, et il en reste à deux. J'ai vu Vera tirer sur Lombard. J'avais toujours eu dans l'idée qu'elle serait de taille à rivaliser avec lui. C'était une expérience intéressante sur le plan psychologique. La corde l'attendait, son sentiment de culpabilité et la tension nerveuse suffiraient-ils à la pousser au suicide? Je le pensais. Et j'avais raison. Pour ma part, je me suiciderai en suivant. Ayant une tumeur au cerveau qui empire de jour en jour, je ne préfère pas garder le souvenir de ces 9 petits chats dans ma tête. Le 10e à mourir, ce sera moi. Voilà ce qu'ils trouveront sur l'île du chat. Signé, le juge Vargrave.